Merci beaucoup, Manon. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord remercier les ministres de la Défense nationale, du Développement international et des Affaires étrangères d'être à mes côtés aujourd'hui pour cette annonce importante. Ever since Canada has been engaged in the crises in Iraq, Syria, and the surrounding region, I have maintained that our efforts should better reflect what Canada is all about, defending our interests and freedoms alongside our allies and working constructively with local partners to build real solutions for the longer term. Last fall, Canadians gave our government a mandate to implement a policy that is more effective and is better able to capitalize on uniquely Canadian areas of expertise, including our military's training of security forces, the provision of humanitarian assistance and social services, the promotion of diplomacy and good governance, and the rebuilding of infrastructure. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui aux côtés des ministres Sajjan, Dion et Bibeau pour annoncer notre nouvelle politique concernant les crises présentement en cours en Irak et en Syrie et les répercussions qu'elles ont sur la région. Le Canada a toujours été prêt à se battre lorsqu'il était dans l'intérêt du pays de le faire, et nous avons un effectif militaire bien équipé et talentueux. Dans ce cas-ci, nous avons particulièrement intérêt à aider les forces locales à combattre le soi-disant État islamique et à stabiliser la région. Ceci est une approche complète et pan-gouvernementale. Et elle a fait l'objet de vastes consultations auprès de nos alliés et des intervenants de la société civile. Notre approche est ancrée en trois volets: sécurité, développement et diplomatie. Sur le plan de la sécurité, nous nous sommes penchés sur la meilleure façon dont les forces armées canadiennes pourraient contribuer au sein de la coalition à parvenir à des résultats durables dans la lutte contre le soi-disant État islamique. Je veux d'abord souligner le travail formidable accompli par les membres de l'Aviation royale canadienne. I'd like to thank our brave and talented members of the Royal Canadian Air Force. We are very proud of you and of your service to your country. It is important to understand that while airstrike operations can be very useful to achieve short-term military and territorial gains, they do not on their own achieve long-term stability for local communities. Canadians learned this lesson firsthand during a very difficult decade in Afghanistan, where our forces became expert military trainers, renowned around the world. Recognizing this expertise, the Canadian Armed Forces will now be allocating more military resources to training Iraqi security forces. We will be supporting and empowering local forces to take their fight directly to ISIL so that, kilometer by kilometer, they can reclaim their homes, their land, and their future. En plus de cela, nous continuerons à soutenir les activités de surveillance et de ravitaillement en vol au sein de la coalition. Nous serons encore plus impliqués en matière de mesures antiterroristes et en matière d'amélioration de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans la région. Sur le plan du développement, le Canada a une longue tradition d'aider les plus pauvres et les plus vulnérables à travers le monde. Actuellement, la situation humanitaire en Syrie, en Irak et dans la région est catastrophique et nous devons aider à la résoudre. Les Canadiens ont vu les tragiques images du Moyen-Orient et ont entendu de vives voix les récits des milliers de Syriens que nous avons accueillis au Canada. Les Canadiens ont démontré à quel point notre pays est accueillant et chaleureux, et c'est dans cet esprit que nous devons poursuivre notre travail à l'étranger. Le Canada s'emploiera à répondre aux besoins de base des personnes les plus durement touchées par les conflits en Irak et en Syrie, notamment les réfugiés qui ont fui vers les pays voisins. We will work with our international partners to deliver $840 million in humanitarian assistance over the next 3 years. This means children, women, men, and whole families being provided with water, food, shelter, health care, sanitation and hygiene, protection, and education.
We will also provide $270 million over the same time frame to build local capacity in communities and countries hosting large numbers of refugees, generous, compassionate countries that have opened their doors to victims of war and whose resources are now being stretched beyond their limits. We will help them address basic needs, maintain and repair infrastructure, promote employment and economic growth, and foster good governance. All of this is in addition to the tens of thousands of refugees Canada is accepting. Third, Canada has earned a distinguished international reputation for diplomacy and building bridges. We must use these skills to do more to achieve a political solution to the crises in Syria and Iraq. Grâce à une meilleure présence diplomatique sur le terrain en Irak, en Jordanie et au Liban, le Canada pourra collaborer davantage avec ses partenaires locaux et internationaux. De plus, le Canada pourra participer plus activement aux efforts multilatéraux visant à résoudre les crises et à rétablir la stabilité dans la région. En offrant des services de sécurité et d'aide humanitaire au Liban et en Jordanie, nous aiderons à prévenir que l'instabilité se répande dans les pays avoisinants. Since taking office, we have been in constant contact with our allies, including President Obama, Chancellor Merkel, Prime Minister Cameron, and President Hollande. They all welcomed Canada's continuing contribution to the coalition and to the fight against ISIL. I have also spoken to Prime Minister al-Abadi of Iraq, who thanked me for Canada's new approach. Nous mettons cette politique en place parce qu'elle permettra au Canada d'être plus efficace dans son combat contre le soi-disant État islamique et dans ses efforts visant à offrir une stabilité aux habitants de ces régions. En tout et partout, nous consacrerons plus de 1,6 milliard de dollars au cours des trois prochaines années à cette nouvelle approche en matière de sécurité, de stabilisation, d'aide humanitaire et d'aide au développement en Irak et en Syrie, et pour atténuer les répercussions en Jordanie, au Liban et dans l'ensemble de la région. Cette nouvelle politique coûtera plus cher que la précédente. And while we recognize the exclusive role of the executive in military matters, we will bring this mission to a parliamentary debate when the House returns next week. In closing, I want to say one more thing. There are those who think we should engage in heated, over-the-top rhetoric when speaking about ISIL and terrorist groups like them. We see things in a different way. ISIL would like us to see them as a credible threat to our way of life and to our civilization. We know Canada is stronger, much stronger, than the threat posed by a murderous gang of thugs who are terrorizing some of the most vulnerable people on Earth. Call us old-fashioned, but we think that we ought to avoid doing precisely what our enemies want us to do. They want us to elevate them, to give in to fear, to indulge in hatred, to eye one another with suspicion, and to take leave of our faculties. The lethal enemy of barbarism isn't hatred, it's reason. And the people terrorized by ISIL every day don't need our vengeance, they need our help. The Government of Canada's new policy on the fight against ISIL is grounded in this belief. We are for what will be effective, not for what will make us feel good to say at any given moment. Ultimately, ISIL stands against open and diverse societies where women and men of all faiths, all ethnicities, and all backgrounds are free to make of their lives what their capabilities, their work ethic, and their dreams will allow. Societies like ours. Terrorists do not have the strength to defeat us, so they seek to have us defeat ourselves. We stand firm in the conviction that they will fail because we are much stronger and more durable than they could ever imagine. Canada continues
in its fight against ISIL, in the work we do as an important part of the coalition against the so-called Islamic State. Today, Canada has been greatly served by having an individual who has served on the front lines and understands the complexities of this mission. I am proud to introduce First Minister Sajjan, who will now add a few words on the military aspect of our mission. Minister.